Le château de Coucy se dresse dans le département de l'Aisne, surplombant la commune du même nom. La forteresse était l'une des plus imposantes du Moyen Âge. Elle abritait le plus grand donjon de toute la chrétienté. Coucy appartenait à un puissant seigneur, Enguerrand III, dit le bâtisseur, qui rêvait de grandeur. Après avoir combattu loyalement auprès des rois Philippe Auguste et Louis VIII, il se brouilla avec Blanche de Castille, mère et régente du jeune Saint-Louis. Pour affirmer sa puissance, il fit construire dans les années 1220-1230 le plus puissant des châteaux forts. Le complexe fortifié se tient sur un éperon et comporte quatre espaces défensifs. Il y a d'abord l'enceinte de la ville. Sa pièce maîtresse est la colossale porte de Laon. Derrière la ville est établie la basse-cour. Le château occupe la pointe de l'éperon. L'ultime espace défensif qu'incarne le donjon trône sur la face du château la plus exposée aux attaques. Coucy est un château caractéristique du type philippien, du nom du roi Philippe Auguste qui l'a popularisé. Son plan géométrique est simple. Ses tours sont rondes et dominent largement les courtines. Le pont-levis a fait son apparition. Mais ce qui distingue Coucy des autres forteresses, ce sont surtout ses dimensions colossales. Le donjon est à lui seul un monument. Il mesure 67 mètres de haut de la base du talus au sommet des pinacles. Sa plateforme culmine à 47 mètres du sol. À titre de comparaison, les tours de Notre-Dame de Paris s'élèvent à 69 mètres. Avec des murs oscillant entre 5 et 7 mètres d'épaisseur, la masse de maçonnerie doit être d'au moins 45 000 tonnes, soit trois fois celle du donjon de Loche. La structure est entièrement en pierre, sans un seul plancher ou toiture en bois. Le plan du donjon est plutôt simple. L'extérieur se présente sous la forme d'un cylindre de 30 mètres de diamètre. Il n'est percé que de quelques fenêtres. Il n'y a aucune meurtrière, en dehors de celles qui servent à éclairer l'escalier. Le donjon est contourné par l'enceinte du château, qui forme alors une demi-chemise. Seule la plateforme comporte des défenses sous la forme d'archères et de créneaux. Des corbeaux de pierre sont prévus pour porter des hours. Le donjon dispose de deux accès. Un étroit passage donnant sur la chemise et une porte d'aspect solennel s'ouvrant au rez-de-chaussée. Le tympan de cette porte est décoré d'une sculpture montrant Enguerrand III combattant un lion. Elle est munie d'un dispositif complexe mêlant un pont-levis à bascule couplé à une herse. Passé cette porte, on observe à gauche l'accès vers des latrines et à droite, celui qui mène en direction de l'unique et large escalier à vis desservant l'ensemble du donjon. Mais c'est la salle du rez-de-chaussée qui devait retenir toute l'attention du visiteur. Sa construction était somptueuse. Elle atteignait 16 mètres de diamètre et 13 mètres de hauteur. En incluant les vastes niches établies sur son pourtour, sa surface atteignait 300 mètres carrés. La salle était entièrement enduite et peinte. La reconstitution donne l'aspect général qu'elle pouvait avoir d'après les vestiges qui ont été relevés. Il n'y a que deux fenêtres, un large puits et une cheminée. Elle est couverte par une splendide voûte dont la clé est percée par un large oculus permettant de monter les munitions au sommet de la tour. La salle de l'étage intermédiaire était assez proche de celle du rez-de-chaussée, mais avec des sculptures moins riches. En revanche, il y avait une fenêtre de plus et une cheminée plus profonde. Cette salle, comme celle de l'étage supérieur, devait aussi avoir un décor peint, non représenté ici.
La salle du dernier niveau présente des dispositions très voisines des deux précédentes. Elle comportait toutefois une galerie surélevée et n'avait pas de cheminée. L'existence de cette galerie semble davantage correspondre à une volonté d'alléger le mur qu'à créer un espace de vie somme toute peu fonctionnel. Il est légitime de s'interroger à la vue des caractéristiques de cette formidable tour. Il ne s'agit pas d'un donjon résidentiel comme les constructions romanes, type loche. Trop peu de cheminées, des espaces mal éclairés et trop vastes. D'ailleurs, le château dispose d'un véritable logis situé à l'extérieur du donjon. La vie seigneuriale, en ce XIIIe siècle, sort des sombres tours pour s'épanouir dans des bâtiments plus confortables. Qu'en est-il de sa valeur militaire ? Il n'existe aucun dispositif défensif en dehors de la plateforme. Et cette plateforme est si haute que les archers ou les arbalétriers auraient bien du mal à viser avec précision. Seule la défense rapprochée du donjon et du chemin de ronde de la chemise semble réellement efficace. Le donjon est surtout un bon refuge. Toutefois, le sommet de la tour est assez vaste pour accueillir de puissantes machines de guerre, même si le haut parapet, presque 10 mètres en élévation, peut rendre leur usage difficile. La masse du donjon a aussi l'avantage de constituer un puissant bouclier qui protège une partie du château. Malgré tout, les sommes dépensées auraient pu être utilisées plus efficacement d'un point de vue militaire. En réalité, c'est ailleurs qu'il faut chercher le rôle de cette tour. La symbolique y tient une place importante. Son couronnement est très inhabituel, avec ses pinacles et son parapet orné d'une double rangée de crochets. On ne peut s'empêcher de penser à une couronne. L'architecte du donjon recherchait sans doute davantage l'effet que la fonctionnalité. Le château ne défendait aucune zone stratégique et ne fit l'objet d'aucun siège. Il constituait avant tout un monument à la gloire de son commanditaire, un peu dans l'esprit des pyramides égyptiennes. Sa massivité doit assurer sa durabilité et la pérennité de la mémoire de son bâtisseur. Mais l'avenir sera cruel pour ce géant de pierre. Il traverse le Moyen-Âge sans dommage et y gagne même un splendide logis gothique. Pourtant, pendant la Fronde, au milieu du XVIIe siècle, des rebelles occupent le château. Mazarin réplique en ordonnant son démantèlement en 1652. Il est ruiné, mais les tours résistent aux mines. Seules les voûtes du donjon sont détruites. Au XIXe siècle, le château est consolidé par Viollet-le-Duc. Mais les tours sont détruites en 1917 par l'armée allemande. 20 tonnes d'explosifs sont nécessaires pour abattre le seul donjon. Le monument d'Enguerrand III a résisté presque 7 siècles. Aujourd'hui subsiste un gros et triste tas de gravats qui n'a toujours pas été dégagé. Malgré toutes ces destructions, les ruines de Coucy restent très impressionnantes et l'ambition de ses occupants palpable.